Bonjour YouTube, comment vas-tu? J'espère que ça va. On est sur hop Pacific Drive, pas as always parce qu'il y a quand même vachement d'autres jeux sur cette chaîne, mais on va continuer. Le jeu est très fort. Je vais te demander directement de te calmer. Voilà, voilà. Tranquillou bilou. Oh putain. Ah ben oui, c'est vrai. Faut que je déplace la caméra. J'ai trop baissé ma chaise. Mais au moins je suis posé. Oh là 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 là, quel plaisir. Eh, quel véritable plaisir. Quel véritable plaisir. Par contre, je ne vois pas le chat. Voilà. Allez hop. Allez. Je vais laisser la voiture ici. Chance. Est-ce que je peux y aller là-bas? Je crois que je peux. Hop. I just want to be the ruler. Attends. Voilà. Putain, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. Là, j'y suis allé. Monsieur le Noël, on va examiner tout ça, enfin ça, un truc en compte rendu. Ok. C'est magnifique, hein. C'est vraiment, vraiment beau. J'aime vraiment. J'aime vraiment cet endroit. Allez hop. Et ça, je suppose que c'est le dernier? Pas ici. Ah là. Bah, il y a quelque chose. J'ai envie d'aller là-bas. Tu peux admirer les capacités artistiques du docteur autant que tu le souhaites. On n'en dira rien d'utile. Vite. Pat. Hop. Nickel. Je vais aller là-bas du coup. Parce que je crois. Ah, ils me disent qu'il y a encore des trucs à récupérer. On va voir. Hein. Combien je suis en clim? J'en ai récupéré combien? Oh, sa mère! Oh, j'ai plus beaucoup d'essence. C'est pas très grave. Parce que j'ai de l'essence à plus savoir quoi en faire. Ah, peut-être ici, il y en a un autre. Elle était allumée depuis tout à l'heure en fait la voiture. On n'y voit rien. Est-ce qu'il y en a un ici? Non, je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir ceux qui ont été allumés. Il y en a un là-bas. Ah, il y en a un ici peut-être? Non. Il faut vraiment que j'aille voir ceux qui sont allumés. Ah, ça éclaire bien là. Ici? J'éteins mon moteur, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Voilà. Encore? C'est un enregistrement d'écriture. Je suis sûr que tu veux l'écouter. It's been over 30 years. I'm past ready. Go on, driver. Keep snooping and see what else you can find. Pas de souci. Je vais snooper. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus, hein, en réalité. Hein.
Je vais y récupérer tout ça. Voilà, et pouic! Ouais. Je les récupère, hein. Je sais pas si ça me va vraiment m'être utile, mais... Un truc de plasma. Deux trucs de plasma. Et trois trucs de plasma. Vite. Hop. Voilà. Attendez, j'y suis allé là-bas? Je peux y aller, du moins? Ouais, parce qu'attendez. Je vais tout voir. Oui, attendez. Attendez. Ah, d'accord, j'avais pas forcément capté que je... Bah oui. Comment je suis censé aller là, autrement? Ah là-bas. Waouh. Ah si, je peux peut-être monter. C'était sûr. Ok, de rien. Bon, j'ai pas en... j'ai plus trop envie de fouiller. Je crois que j'ai déjà assez fouillé. Ah, c'est tout bloqué. Je pensais qu'il y en avait une autre. Hop. On a déjà pas mal de choses. Bah, tant que je suis là, hein, à vrai dire, hein, tant que je suis ici. Quoi, je l'ai déjà récupéré ça? Déjà. Allez, rouler vers la route d'accès stabilisée. Faut juste que je retourne au garage. Alors, je sais pas où je dois aller, mais je vais y aller. Allez hop. Il pleut? Je sais pas. On dirait. Alors, est-ce que j'ai une map ici, moi? Allez, on va là-bas. Ah, j'allais dire s'allumer là-bas, mais c'est pas par là. Alors... Je sais pas trop où c'est qu'il faut que j'aille. Là-bas, ça ferait sens. Ah, bah, tout simplement. Ok. La route d'accès stabilisée. Et là, on va pouvoir rentrer du coup.
Alors là, on arrive avec tellement de choses, c'est tellement cool. Oh, c'est tellement bien, bordel. Je vais vite, là. Non, non, tout va bien. Let's go. Oh, ah, il faut... D'accord. Ah, moi, dans ma tête, j'allais... Je rentrais, là. Ok. Bah, j'y vais, alors. Moi, ça me va. Hein. Je pensais que je rentrais. Je sais pas pourquoi. J'étais en mode, vas-y, bah, là, je vais rentrer. Plus vous rapprocherez du cœur de la zone, plus les radiations seront répandues. Ok. Et je crois que... Sentez du véhicule vide. Ce que tu me racontes, c'est faux. Ouais, là, je peux me barrer. Par contre, je vais pas me barrer de suite, de suite. Je vais... Je vais aller. Ok. La radar, la classifie comme zone de radiation gamma à haute énergie, ses éruptions étant spontanées. Et en fin de compte, aucune conclusion n'a été tirée quant à leur origine, leur fréquence et leur degré de destruction. Oh, j'ai... Putain. Les puits. Ah, je suis obligé de rouler là-dedans. Quoi. Je vais essayer de le contourner quand même. Ok. J'ai pas tout compris. OMG, ça par contre j'ai compris. Ça je sais ce que c'est. Oui, merci. Ah les bâtards, la voiture. Ne touchez pas la caisse. Putain. Merci. Oui, j'ai plus beaucoup d'essence. On est parti. Oh, ah oui, c'est pas grand. Attends. Est-ce qu'il faut que je... Ouais. Ok. Ah ouais. J'avais pas un truc de fou pour faire... Non, c'est peut-être juste ça. Ah oui. Ok, then. September 14. 1961. Otter's finalized report on what happened that night. Dr. Kay and Alan were testing the activation potential of lab-created remnants. That night was a run-of-the-mill remnant test. Ordinaire, un spécial vestige en question était un cube de tungstène. 323, le cube a été conduit vers le puits et ce dernier a réagi à des niveaux nominaux. Cependant, arrivé à une distance de 100 mètres, le cube a été aspiré dans le puits, ce qui a déclenché la vague de rayons gamma. Je comprends rien, je pige rien, et après 15 secondes, ne montrez toujours pas de signe de ralentissement. Ah merde, je suis bête. Après, il a affirmé qu'Allen avait engagé de provoquer des surveillants en urgence. Dr. Kay ordered Alan to get to safety, but Alan insisted on staying at the controls. Only when he flipped the radiation polarity did the energy output plateau, then collapse back into itself. Aye, je fais mal. Alan's gamma radiation exposure was fatal due to his proximity to the well. If it weren't for him, the entire zone might have gone under.
Je pensais que ça allait me heal ça, mais apparemment pas. Ok. Allez hop, bah écoutez, on va se rentrer là, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça bug. Oh, je déteste! Je te déteste! Putain, ça casse les couilles! Sérieux, quoi? Ma voiture! Wouhou! Je ne peux pas vous lire et je... J'espère que c'est un... Oh putain, fait chier, j'étais certain que c'était un corrompu. Mais pas du tout. Go! Allez, on se casse. On se casse. Ça va, c'est plutôt chill. Alors là, là les enfants, on rentre avec vraiment beaucoup de trucs. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je sais même pas si je vais arriver à pouvoir tout rentrer. Retourner au garage après avoir récupéré les données que Larda, blablabla, les enregistrements de Mideo. Dix instables. Ouais. Et 1,4 de stable. C'est vrai? La traversée vers la zone profonde. Préparez-vous pour la traversée. Tu dis zone profonde. Récupérez les plans dans le pneumatube. D'Opi. Le pneu battu? Ici? Oh, cette merde. Faites de votre voiture un véritable sarcophage en la recouvrant d'une flore cosmique qui vous aidera à faucher les mauvaises herbes. En attirant la chance et avec la force d'un dragon. On en a tiens. Ok. Récupérer. Ah non. Ah si, c'est ça. C'est bien rangé et tout, la vache. Ah, je veux le dropper. Merde, hop là. Alors, comment je vais faire pour tout déplacer, moi? C'est ça que je me pose comme question. Oh, mon dieu, ça va être un enfer. Déjà, je vais me débarrasser de ça, ça, ça,
Ah putain, là on va vraiment faire une phase de rangement quoi, parce que ça va être rude. Ah, il fait beau, c'est rare. Quel plaisir. Je crois que... Ah mais elle est toujours démarrée la voiture en fait. Voilà. Super. Ah et ça se remplit en boucle ça. Putain c'est lourd. D'abord récupérer tout ce qui est des trucs cosmétiques. Comme ça on va vraiment s'occuper du matériel après. Aïe. Allez hop. Alors. Ah, je peux pas me mettre plus. Il faut définitivement que je mette des grands casiers. Je sais qu'à l'amélioration, il faut que je fasse. Il me faut 6 feuilles d'acier. Ok. On va se faire 6 feuilles d'acier. Ah, mais il faut niveau 2. Mais je sais pas comment on fait pour avoir le niveau 2. Ça casse les couilles. Je pense que ça va. Je me fais pile 6. J'ai pas fait exprès. Eh bien. Oui. Ouh. Oh, je vais les mettre là-bas. Ah, mais non. Ah, ici. Ah, quasi agrandi. Oh! Mais après, je peux foutre tout ça ici aussi. Ça, en fait, ça, c'est juste un casier, en fait. J'ai mis tous les trucs de peinture ici, mais je fais ce que je veux, tu vois. Voilà. Et ça, par contre, je dois le mettre ici. Ouvrir l'inventaire. Ouais. Et là, du coup, c'était quoi? Ah, c'était... Oh! Eh ben, je suis chaud de mettre ça pour changer un peu. Hé hé! Trop stylé. Très, très, très stylé. Ça va aller beaucoup plus vite, du coup. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui me manque? Hop. Ouais, ça s'attège, ça s'attège. Là, je vais me mettre là. Voilà. Ça, je vais le foutre ici. Ouvrir l'inventaire. Ah bah ça, c'était sûr, hein. Je vais te faire foutre. Récupérer les plans. Ah oui, mais c'est vrai, ça, j'ai pas du tout fait ça. Plan, bouclier, lime. What? Je peux l'activer? Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Hein. Oh, mais j'avais complètement zappé! Oh, j'avais complètement zappé que je peux faire. Je peux. Ah ouais! Des plaquettes de plomb. Chemise raide.
imperméable anti-acide. Botte plasmique. Parka rembourré. Vous offrez une protection modique contre les chocs MPG par la zone, mais elle peut tout à fait être améliorée. Comment ça, je le lis? Schéma approximatif fournit toutes les instructions nécessaires à l'assemblage. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah mais peut-être que je l'ai déjà lu, non? Notre casier a grandi. Antenne avancée. Elle me permet de faire quoi l'antenne? Non mais j'ai clairement pas, je peux pas. Il me manque beaucoup d'énergie corrompue. Cet appareil vous permet d'utiliser une charge de scanner pour envoyer un signal modifié vers une intersection et tout brouiller. What? Quel serait l'intérêt? Générateur de matière agrandie. Ma dernière, vous récompensera d'un accessoire pour voiture en échange d'énergie d'encre. Quel enfer. Vraiment pas besoin du tout de ça. Ok, bon déjà on va faire... Là, ça c'est fait. Hop là, voilà. Et là, hop. Voilà, il n'y a rien de plus en réalité. Ok, bon. Niveau d'artisanat 3. Et c'est peut-être parce que je fais pas assez de choses là. Du coup. Mais. Ouais, niveau d'artisanat 1. Comment je fais pour augmenter mon niveau d'artisanat? Là le truc. Est-ce que je peux améliorer le truc d'artisanat dans la voiture? Peut-être que. Peut-être qu'il y a ça. Phare. Pare-choc en plomb. Pneu à aube. Non, tu... Ah, ok. Bord de banquette arrière agrandi. Nitro boost. Tu auras MP. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans le passé lointain, de nombreuses voitures étaient électriques. Puis le moteur à combustion les a reléguées au bord du trottoir. Mais prenez la technologie LIM. Combiné à une petite touche de plasma ici et là. Et voilà un moteur électrique plus puissant que jamais. Oh! Un. 196 chevaux. 234 chevaux. Ah! Je ne sais pas! Attendez. Je fais ça. Ouais, ça me plaît. L'autre accessoire. C'est quoi? Dispositif Lazarus. Grâce à l'analyse d'ondes LIM à large spectre, ce dispositif se videra de toute son énergie pour vous secourir. Quoi? Et vous retapez lors de vos plus grands périls. En principe, vous serez toujours en un seul morceau. Oserez-vous l'essayer? Oh, je sais pas. Établi mobile, une véritable... Oh! Atelier miniature à l'intérieur de votre voiture. Vous pouvez désormais fabriquer des objets plus complexes. Ah, putain! Ah, c'est ça qu'il me faudrait. Oh ouais, il me faut ça. Il me faut trop ça, putain. Vas-y, je fuck it, je fais le moteur. Pardon, hein, mais... Ça coûte cher, mais vas-y. Ça vaut le coup. Hein. Serveur de banquette arrière, je m'en fous. Non. Générateur thermique.
Narration plus puissante de l'aspirateur à main. Emploie une puissance très concentrée pour offrir un résultat encore plus optimal tout en éclairant. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas vraiment du tout le truc qui sert le plus, hein. D'avoir un carburant anti-fuite. D'un assemblage robuste et parfaitement étanche, ce réservoir ne laissera pas. Sera pas finalement de côté, il conservera même toutes les odeurs. Mais ça, si c'est un truc que je dois attacher, c'est chiant. C'est relou. Je sais pas, tu vois. C'est quoi ça? Ah, c'est des accessoires, ok. Moi, je veux. Ouais, stockage de la voiture, stockage de coffre augmenté. Ah, ça c'est cool ça, putain. Fibre de verre carbone. Verre carbone? Ouais. Galerie d'expansion. Galerie latérale, il me faut deux feuilles d'acier. Je vais de suite le faire. Voilà. Deux feuilles d'acier. Ah, ben je pourrais pas. Super. Ah, là, j'ai vraiment plus rien. En termes de... Ah, il faut que je fasse ça, putain, j'avais oublié. Oh, il faut que je fasse ça? Merde. Attendez. Oh quel con. Oh il y a deux feuilles d'acier. Incroyable. Ok. Hop. Ouais. Oh, c'est trop bien. Levier de vitesse amortisseur. Alors attends. Déjà. Hop. Oh, j'ai un autre levier de vitesse. Je suis trop saucé, attendez. Levier de vitesse amortisseur. Et le sous-marinier. Ce type sait gérer la pression. Vas-y, je mets lui. Ouais, oh, c'est rigolo, putain, ça j'aime bien. Putain, j'ai plus rien en métal, quoi. Hop là. Voilà. Ça c'est cool. Et j'ai encore toi. Ouais. Oh ah bah plus encore. Ok. Ah c'est plutôt lui. De la ferraille. Du verre. Oh, je peux m'envoler. Oh! Oh! Oh non! Oh, attendez. Oh, pardon, mais attendez. J'ai peut-être trouvé une raison pour faire l'aspirateur thermique. Ouais, j'ai plus de place, en fait. Oh la vache, c'est compliqué, là. Attendez. Ah non. Ça, il faut que j'aille le péter.
Attends, déjà, je vais faire la dernière galerie de toi, j'ai oublié. Galerie latérale. Oh non, j'ai pas assez d'énergie stable. Oh non. La forte adhérence. Faudrait que je voie aussi pour faire le nouveau moteur. Alors. Bah, en vrai, je vais y aller. On est parti. Tu dises tout. On verra après. Voilà. Aïe. Nickel. Donc il me faut deux portières, je crois. Ah non, une portière et un panneau. Est-ce que je peux faire d'autres pneus tout terrain? Enfin, il m'en faut plus qu'un en fait. Hein. Oui. Ouais. Il manque plus que lui. Qui était putain, non? Non, c'est ça que je veux. Ouais. Nickel. Voilà. Ok. Aspirateur à main. Vas-y, je vais le faire. Je vais le faire parce que je crois que j'ai un feeling. Je sens qu'en fait, je vais être fier de moi. Par remplissage rapide. Ça coûte 0,2. Franchement, ça coûte 0,2. Hop. Voilà. Allez, hop. Franchement, c'est bon. Là. On va remplir rapidement tout ça. Ouais. Ça, c'est cool. Ok. Ah, j'ai pas assez de caoutchouc. J'ai tout pété là déjà. Oh, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Quelle serait la suite? Récupérer les plans dans le pneumatube. Il n'y a rien dans le pneumatube. Est-ce qu'il y a un bug? Je pense qu'il y a un bug parce qu'il y avait peut-être quelque chose. Est-ce que j'ai... Ouais, non. Comment je m'équipe par contre de mes... Bah... Ah, bon d'accord. D'accord. Ah, je ne peux même pas faire de nouvelles missions en fait. Je me demande s'il n'y a pas un bug. Attendez. Parce que ouais, j'ai pas de... J'ai pas de permatube. Enfin, j'ai pas ce qu'elle faut que j'ai. Attends. On va faire sauvegarder, ici en effet, et on va faire sauvegarder et quitter, je suis bête, oui. On va voir, je vais sauvegarder et quitter. Oh purée, excuse-moi, Papa Ciseau, bonjour Paris, je mets ton stream en fond sonore, je bosse mon projet de stage. Excuse-moi, j'étais tellement concentré sur le jeu. Bonsoir Paris, bien sûr. Excuse-moi, j'ai pas lu ton message, je sais pas si ça fait longtemps que tu as mis le stream. J'étais tellement concentré sur... sur le jeu que j'ai pas vu. Excuse-moi. Ah! Tais-toi!
T'inquiète, Bébou. Let's go! C'est moi le gros Bébou. C'est pas vous. C'est moi. Bon, le permatube, là. Mais il n'y a rien dans le permatube, en fait. Récupérer les plans dans le permatube d'Opi. C'est là-bas? Je sais pas où faut que j'aille, moi. Bonjour. Je ne sais pas où, je ne sais pas où je dois aller. Ah, putain, ils m'ont rechargé ça. Ah non, il me reste une... Attendez, mais il me reste ça. OMG. Attends, je sais pas si j'ai eu assez. Je sais pas si j'ai eu assez. Mais du coup, j'espère que ça va, Papa Ciseau. J'espère que tout va bien. Ah, il m'en reste un, il m'en manque un, j'ai trop le seum. Mais là, je piche pas ce qu'il faut que je fasse. Là, je ne pige pas ce qu'il faut que je fasse. Et que ton projet de stage se passe bien. Je sais pas pareil. Attendez, mais il y a un souci, non? Là, il n'y a pas un bug, là? Oh, putain, il y en a un. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, là-bas, peut-être? Ici? Bonjour? Non, mais ici, il n'y a pas de... On dirait vraiment qu'il y a une porte ici. Ouais. Ça, c'est... Ça, c'est bien, ça. Un projet de prévention et sensibilisation aux réseaux sociaux. Oh, oh putain. Ça doit prendre du temps, ça, putain de merde. Le sujet est tellement vaste. C'est lourd. C'est trop bien, ça doit être super intéressant à faire, par contre. Ça doit être très long, mais très intéressant. Un peu comme moi au lit. À la base, c'était pas forcément pour me vanter, mais je me rends compte que sans faire exprès, j'ai... En fait, j'ai balancé une phrase juste pour balancer une phrase. Mais je... J'ai pas capté qu'en fait, je me la pétais grave. Boîte à outils. Oh, j'ai une petite boîte à outils pour mettre des choses dedans. Oh, c'est trop stylé. Là, j'avoue être un petit peu perdu. Je vais faire... il me manque quoi? Un panneau, deux panneaux. Attends, déjà, il me manque surtout... Vous deux, là. Toi. Genre, cyberharcèlement, protection des données, identité numérique, tout ça. Un jeu de cartes que je mets en forme. Un jeu de cartes? T'es en train de faire un jeu de cartes? Non, j'ai pas dû comprendre. Un jeu de cartes que je mets en forme, MDR. C'est vraiment ça? Non, j'ai pas dû comprendre. Yep. Sérieux? Mais c'est trop stylé! T'es en train de faire un jeu de cartes, là. Putain, trop stylé. La vache, c'est bah, c'est trop cool. Bah, très stylé. Très, très cool. Bah, tu me montreras ça, en vrai. En vrai, tu me montreras ça, hein. C'est vraiment cool. Hop là! Allez, hop. Ah, bah oui, du coup, je vais faire une portière blindée. Il me faut qu'une portière, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, une portière blindée en plus. Let's go. Et un panneau. Est-ce que je peux faire des panneaux blindés? Je ne sais plus. Non. Ah, je peux faire des panneaux plombés. Ouais, mais il me faut des plaquettes de plomb. Ah, j'ai trop le seum. C'est compliqué d'avoir des plaquettes de plomb. Yep. Je les imprime cette semaine. Et je bêta teste avec des amis demain soir. Oh, hâte. Trop bien. Putain, trop, trop cool. Oh. Bah alors là, bah chapeau capitaine. Alors là, bordel. Quel banger. Moteur AMP, il me faut quoi? Circuit imprimé et du coréaï des marécages. Ok. Je suis étonné à la vitesse où j'ai fumé la ferraille par contre. Je suis quand même vachement étonné. Il m'en reste pas une perle? Ah si, il m'en reste une. Il m'en reste une. Hop là. Allez hop. Par contre, j'ai l'impression que le jeu est premier degré bugué.
Oh là 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 là. Ah, j'aurais tellement voulu avoir un seul de caoutchouc, ça aurait été trop cool. En fait, là, il me manque très peu de choses. Ah oui, j'ai le... J'ai ça derrière qui est tout pété. Émetteur limmesuré. Je sais pas trop comment ça se dit. Pare-choc. Batterie, moteur. Ah, accessoire. Nitro boost. Oh, je veux tellement le faire. Je veux tellement le faire. Il me faut quoi? Des bonbons d'arbre. Pas très compliqué. Un saute-mouton. Plaquette. Radar à ressources. Pue la merde ce truc. Émetteur limmesuré. Ça c'est quand même vachement pratique. Lui il est complètement pété. Un caoutchouc, un caoutchouc, un caoutchouc. Eh bien non, je pensais. Franchement, je pensais. Et je pense qu'il faut que je le remette. Et ouais. Ouais. Voilà. Ça, c'est bueno. C'est bueno, ça. Ouais, bah écoutez. Là, j'ai un peu fait tout ce que je voulais faire sur ma caisse. Ah, mais non, il manque un panneau. Bon, bah écoutez, je vais me faire un panneau en acier, c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave. Hein. On recule un peu, mais bon. Enfin, on recule. En réalité, non, mais bon. Ok. Parce que là, moi, pour moi, c'est bugué, là. Il y a une couille dans le pâté, là. Pour moi, il y a une couille dans le pâté. On va aller voir. Hein. Pardon. Cette merde, je sais pas. Ah! Bah, what the fuck? C'est une blague. Ah oui, il fallait que je le prenne depuis le sol, quoi. Pas d'énergie sur le kiné, non. Ah bah, attends. Stocker des objets d'esprit en entretien dans le coffre. Bouclier lime. Ah oui, faut que je le foute. Oh, faut que j'utilise un truc du coup, c'est dommage. C'est ça? Oh non, c'est un truc qui se met à l'arrière. Bouclier lime. Look, we have a real chance of losing everything at the old wall. I'd like to not fail this far along. How can we know this will work? We don't. That's how science works. We form a theory and we test it and we fail and fail and fail and only sometimes do we succeed. Come on, Francis. J'ai mis le bouclier lime. Fine. Et du coup? I'll do it. All right. The team is assembled. Nice work on that limb shield driver. We'll have the power grid prepped by the time you reach the old wall. Ok, le vieux mur, d'accord. Là, je peux de nouveau? Et là, il faut que j'aille où? Ah ouais, il faut que j'aille là. Ah ouais, il faut que j'aille ouvrir... faut que j'aille dans la dernière zone, là. Oh! Alors là, putain, on a bien avancé aujourd'hui, bordel. Je suis tellement content. Ok, bah alors par contre, ça, c'est un truc qui pompe pas mal de batterie. Faut que je fasse attention. Ok, et en termes d'essence, j'en ai plus beaucoup. C'est l'occasion de tester ce truc. Ouais, c'est oui, c'est beaucoup plus rapide, ok. Ok. Pas de soucis. Ce que je sais par contre, c'est que ici... Voilà. Ouais. Et je vais la peindre en noir, je pense. Oh, please, que ce soit des grosses flammes. Oh, ouais. Oui, putain. C'est ça que je veux. Voilà. Je la mets full flamme. Alors là, pardon. Hein.
Ouais. Par contre, ouais, le violet est bizarre. Ok. C'est immonde. Mais j'adore. Allez, je vais mettre la peinture noire. Je vais mettre la peinture noire. Je l'ai pas mal utilisée, non? Ouais. Ah ouais, je l'ai pas mal utilisée, sa mère. Où est la peinture noire? Elle est où la peinture noire? Je veux le noir nuit, quoi. Le peinture noire. Comme ça, je la verrai bien, pas du tout dans la nuit, ça va être bien. Ouais. Voilà. Ouais. C'est bon, je crois que j'ai tout fait. Ah non, ça a pas été peint. Ah non, merde. Je suis pas juste le bouton de réservoir. Bouchon, pardon. Ça a été pété, ça. Ça a été pété, c'est bizarre. Ouais, putain, alors là. Eh. Oh là. T'es mal à la caisse. J'adore. J'adore. C'est tellement kitsch, putain, j'adore tout. Des objets destinés à votre trajet dans le coffre. Bah, écoute, là, je suis plutôt bien, hein, en vrai. Voilà. La batterie, faut que je la charge. J'ai des anomalies, mais je sais pas ce que c'est exactement les anomalies, donc. Donc voilà. Oh putain, hé. Hey. Là c'est cool, hé. Hey. Là c'est cool, putain. En fait, j'ai envie de continuer à jouer, mais je peux pas. Là, pour le coup, je suis vraiment trop fatigué. Ah si, il est que 21h42. Oh! Je pensais qu'on aurait pas le temps. On a peut-être le temps en réalité. On a peut-être le temps, mais il faut que je me grouille, quoi. Je suis chaud d'essayer, j'avoue, je suis trop chaud d'essayer, j'ai vraiment envie d'y aller. Ok. Bouclier lime. Il aurait voulu que je le mette à l'avant? Attends. Mais c'est pas un truc pare-choc, ça, si? J'aurais pu? Je peux faire ça? Ah oui. Oh, ah oui! Ça se met pas de la même manière. Ok, d'accord. Et je vais laisser ça ici, du coup. Ok. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça, d'accord. Oh! Eh, c'est ça. Ça c'est un truc de ouf. Hein. Je vais voir si je pense pas pouvoir mettre le stickers. Je peux pas le mettre sur le truc en particulier. Ok, attends. J'ai une peinture noire ici. Non, je peux pas. Par contre, je peux peut-être le peindre. Non, je peux pas. Allez, hop. C'est dommage. Voilà. On est pas mal. J'ai toute ma vie. La voiture est dans un état nickel. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Pff. Ouais, il me reste que 3-5. J'étais à 10. Quasi agrandi. Pour l'instant, ça va. Ah, phare isolé. Mais j'ai plus beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire? Les phares renforcés. Ah non, je peux pas. Je peux faire des phares isolés. Ok. Attends, je vais voir ici. Panneau blindé. C'est pas mal ça. Ah non, de branches roteuses. J'ai pas vu ça. Portière isolée, ça je peux. Portière blindée, c'est que 55 de santé. Sens électrique bloqué, chargé. Ah non, je crois que je préfère le blindé. C'est rare que j'aime bien les trucs un peu particuliers. Après là, les phares, c'est vrai que les phares.
Ça me fait passer de 50 à 60 quand même. Hein. Par isolé. Ouais, fuck it, je le fais. Voilà. Est-ce que je peux me les faire, les phares isolés? Est-ce que je peux, j'ai le droit? Ouais, un, deux. J'en ai fait combien? Pas d'une. Merde. Ouais, est-ce que j'en ai un autre? Du coup, je sais pas si j'en ai fait... Ah oui, c'est ça, j'ai bien. Je me disais bien que j'en avais fait deux. Waouh! Eh non, ça, eh, ça, ça en jette de ouf! Je suis trop fan. Hop. Faut juste que je me refasse du coup. Comment on appelle ça? Un aspirateur. Oh, j'ai du caoutchouc! Oh, j'ai eu du caoutchouc, attendez, je peux peut-être me faire le nouveau aspirateur. Et il m'a envolé dans les airs. Bon, on aura peut-être pas le temps parce que je suis en train de faire plein de conneries là, mais... Ah, j'ai plus de cristaux thermosève. Ah bah oui, j'ai tout utilisé pour l'autre truc. Bah écoute, fuck it. Alors, attends. Voilà. Hop. Ouais, je l'ai plus là. Ah, ah si, je l'ai. Ah non, j'ai ça, mais j'ai pas l'autre. Est-ce que... Ouais, on est d'accord. Juste pour voir. Ouais, c'est chaud. Ok. C'est chaud, c'est chaud. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'être utile que j'ai pas fait, radar encre. Portière rudimentaire, portière en acier. Regardez si j'avais pas... Ça, j'ai envie de le mettre dans les trucs de réparation ici. Voilà. Putain, j'en ai des fusées éclairantes réutilisables. Hein. Je crois que j'ai dû en looter une. Ok. On va essayer d'y aller. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'y aller. Au pire, on va se grouiller. Charge alimentaire, pare-choc en acier, roue de secours, phare isolé. Nitro boost, ça serait cool ça, mais plus tard. Il me faut quoi? Des bonbons d'arbre? Ouais, ça je sais pas. Bon allez, on le tente? Allez, on le tente. Allez, on le tente, fuck it, on le tente. Ça va aller assez vite. Hop. Et je peux le faire en deux trucs et ça a l'air d'être assez chill. Allez, je suis fou le... Ah oui. Je vais mettre du coup plutôt le bouclier lime ici. Let's go, on est parti. Oh, j'aime bien le Godzilla. La voiture est en pleine forme, elle a plein d'essence, batterie à fond, c'est très très agréable de voir ça. Allez hop. On va inquiéter les jeunes, vous allez voir. Instabilité élevée. Oh, ça casse les couilles. Dans tous les cas, je suis obligé de passer par C4. Ok. On est parti. On est parti. Oh, c'est cool. Putain, il fait encore presque... Le soleil est en train de se coucher. Il est 22h moins 10. C'est trop bien. J'adore, putain. En vrai de vrai, je rush. Petite roue. Ah, petite route, peut-être, j'ai mal lu. Franchement, on est efficace là. On va se préparer pour la traverser, comme ça, la prochaine fois, on pourra visiter bien comme il faut la... Comment on appelle ça? La...
la zone profonde. Qu'est-ce qu'il m'en veut? Pas y être détruit. Il faut savoir si j'étais impliqué. Je crois que mon micro est très loin. Pardon. Excusez-moi. Bref. Ah merde! Putain, j'ai pas pris la bonne route. Bon, c'est pas grave. Because of the research branch that you four started to build. Yes, and we developed ways to prevent anomalies, not create them. You can't prevent something if you don't know where it's created in the first place. So you did pick up a thing or two around us, scientists. Voilà. Ah, j'aurais adoré avoir le nouveau moteur, hein, putain. Oh là 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 là. Pardon, mais si vous vous rappelez au tout début, c'était incroyable. Ah, ok. C'était une galère. Ok, cool. Never thought I'd see the day where you'd sugarcoat anything coming out of your mouth. The Harmonic Disruption Research Lab was an abject failure. No, I wasn't involved. Franchement, j'adore la voix des acteurs, mais en fait, vu que je conduis, c'est vraiment la merde. Tu peux me laisser. Tu arrêtes. Voilà, va faire foutre. But it was done in the name of progress. We were powerless to stop it. Hop là. Harmonic disruption research branch was all I could do to stop. Je peux pas t'écouter, je conduis en fait. Je peux pas lire. J'essaie de réparer mes erreurs. Et elle est pas arrivée apparemment. En vrai, le frein à main, je l'utilise très très peu. Mmh. Je suis un peu le seum, c'est pas grave. Le frein à main, je l'utilise très peu. Peut-être qu'il faudrait que je l'utilise plus, mais... C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui conduit très vite, donc... Et de 1. Hop, on part en C4. Là, ça va être... En plus, c'est instable, là, donc il est hors de question qu'on perde notre temps. Il faut que je vois cette histoire de raid, là, que j'entends pas. Bon, c'est très rare, hein, je me fais rarement raid. Mais il faut que je vois cette petite histoire. Pourquoi j'entends pas les alertes? C'est chiant. Ça, c'est relou. Allez, go. Oh, oh, je suis désolée, mais on va faire un... Ah, mais non, c'est sur la route. Non, c'est sur la route, tout va bien. Je vais prendre cette orbe, j'en ai rien à foutre. Hein. Je prends cette encre. Hein. Il y a des thermosèves. Non, 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 non. Personne peut me blâmer. Personne peut me blâmer. Oh, putain, je peux pas... J'ai pas de... Oh! Ah, ok, ça y est, petit à petit ça augmente. Voilà. Bon, c'est pas optimisé, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est trop important, ça. Je peux pas me permettre de passer outre. Il n'y a pas d'autre? Après, là, même s'il y en a loin, je me sentirais pas d'y aller non plus. Ça, cette orbe là qu'on voit, c'est presque sûr que c'est une orbe. Une orbe corrompue. Et ça, je peux pas passer à côté. Je peux clairement pas passer à côté. Doucement. Thank you.
Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. What? Mais pourquoi? C'est pas la première fois qu'il y a ça là. Qui se passe. Oh non, il y en a plein. C'est une catastrophe. Et j'ai pas du tout ce qu'il faut pour. Pour les looter en plus. Putain! Oh la voiture, j'étais sûr que ça allait toucher. T'inquiète. Arrête de toucher la voiture. Oh là 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 là. Laisse ma voiture. Oh ok, c'est pas grave. Bon bah écoute, je vais aller me faire foutre hein. Ok, tout va bien, tout va bien. La voiture est éteinte. Je rêve ou... Il a essayé de choper ma voiture, le petit, la petite merde. Laisse-moi. Oh non, il y en avait un autre là-bas. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Et puis j'ai vraiment besoin de... J'ai vraiment besoin de récupérer le... L'orbe. Donc, pas trop le choix. Oh, quel bâtard! Putain, c'est pas moi, je vous jure, c'est le truc, là. Le droit de gauche. Il est horrible. Je vais le récupérer. Allez, hop. J'éteins même pas le moteur. C'est par là, je crois. Touche pas à la voiture. Ah, ah non! Passer, j'ai pas le temps. Oh, j'espère que c'est du corrompu. J'espère que c'est du corrompu. J'espère que c'est du corrompu. Viens à moi. Ah. Je ne le vois pas. Il est où? Il est où? Oh, c'est une catastrophe. Attends, je vais déplacer la voiture. C'est pas possible. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je le vois pas. S'il faut, c'était de l'autre côté et j'ai pas vu. Ah ! C'est insupportable. Santé du véhicule faible. Oh ! You think ? Ouh ! Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben, je vais me faire foutre. On va vite se casser. Je suis vachement déçu. Mais c'est pas grave. En plus, s'il faut, c'était même pas une corrompue. Même si ça a quand même l'air. Ah le gauche-droite. Ah le gauche-droite, il est fait, il est long hein. Oh sa mère. Alors là c'est un petit peu compliqué. Oh, j'ai pris la mauvaise route en plus. Oh non, vous allez vous faire foutre. C'est pas le moment. Vous allez vous faire foutre. Ah oh, ils m'ont pris ma portière. Ou alors ça s'est pété tout à l'heure, je sais pas. Tout va bien, tout va bien. Ouais la vache, elle était tellement en bon état la voiture, je m'attendais pas à... Attends, pourtant je suis... C'est... Mais, recule. Elle veut plus... Y'a plus de moteur? Y'a plus de moteur? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Le moteur va très bien? Pourquoi elle veut plus... Pourquoi ça veut plus reculer? Je comprends pas, je peux plus bouger avec la voiture. Laisse-moi... Oh, putain, comment je fais pour... Comment je fais pour déplacer? Mais pourquoi elle veut pas reculer? Je piche pas pourquoi elle veut pas reculer. Y a rien derrière. Qui l'empêche de reculer. Je comprends pas pourquoi elle recule pas. C'est pas le moment du tout en plus. Ah y'a plus d'essence. Si.
Ah mais elle s'est éteinte. Ah la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Batterie du véhicule faible. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qu'elle a la voiture. Batterie du véhicule vide. Ouais. C'est pas trop grave ça pour l'instant. Je comprends pas. Y'a de l'essence? Y'a plus d'essence. Ok. C'est pas grave. Oh, j'ai plus de santé. Oh, j'ai oublié de... Eh, c'est une catastrophe. Hein. Je mets juste ça, manière de pouvoir partir. Ah, j'ai plus rien. Go. C'est juste en face en plus. Wouhou! Alors là les enfants. Oh l'enfer. Et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir traîné. J'ai pas l'impression d'avoir fait de la merde. C'est juste... Enfin si, j'ai arrêté la voiture dans des vraiment dans les pires endroits du monde en vrai. J'ai vraiment arrêté la voiture aux pires endroits. Je sais pas comment je vais faire là. Parce que là c'est vraiment rude là. Vache, putain, j'ai pris trop cher. Je... Mais la voiture, il y a plus que 4 roues et le moteur là. Après, tant qu'il y a les 4 roues et le moteur, tout va bien. Hein. Techniquement. Allez, fais-moi spawn. Il faut que je fasse le plein du coup. T'as dû me pomper toute mon essence, je m'en suis pas rendu compte. Ok. You're not the first to try crossing the old wall since the anomaly has moved in. But we'll make sure you're the first to survive. Two things to keep in mind. First, to get through the old wall, there are 5 crossing points. You need to induce the electrical grid the entire way by driving the car close enough and fast enough along the conductors. You'll see them as you go. Ah oui, il faut que je fasse le plein. Doucement. Je sais pas du tout ce que je dois faire, mais je crois que c'est long. C'est pas grave. What? Où c'est là? Qu'est-ce qui... What the fuck? Pourquoi il y a une conserve qui est tombée? Il est complètement pété. Complètement pété. Ok. On va quand même foutre un coup de... J'ai du mastic. Ah, la conserve, ok. Ah putain, en plus il est pété lui. Oh, et lui aussi, il est pété, sa mère. Oh putain, je me disais bien. Alors. Alors, je crois que j'ai quelque part... Non, de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des choses... J'entends des bruits de fou là. Pourquoi ce bruit de con là? On peut me laisser tranquille? Allez hop.
Allez hop, on est chipard. Alors attends, c'est quoi le mastic de réparation? Il est juste pété, genre salement. Panneau plombé. On va y arriver. Ok. Le peu de trucs qui restent, on va essayer de le réparer. Il y a plus rien. De ce côté-là, il y a littéralement plus rien. Ok. Et toi, attends. Kit d'électricien. Ok. Est-ce que je peux le faire ou pas? Ou pas. Moi, ouais, je peux pas. Vas-y, c'est pas très grave. Bon. Le peu de chance que j'ai. Ah non, il me manque. Le phare de gauche. C'est vrai que je pense que je suis pas occupé. Allez hop. Ok, c'est pas très loin. J'ai le bouclier. En plus, c'est le bouclier ion qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des... Il y a des bruits de trucs qui tombent. Il faut que je le prenne, ça. Broyeur du diable. Ok. Alors attends, la voiture. Bus de voyage. Faut qu'elle revienne. Ah, ça je le connais. Okay. Allez hop, on est reparti. Allez hop. On est juste à côté, ça va le faire. Ça va le faire. Putain la vache, il y en a beaucoup. Hein. Ah attends, il y a un broyeur du diable ici. C'est que ça. Pardon? Ah ouais, carrément? Inventaire plein. Ah merde. Hop là. Mais la voiture! Et à chaque fois en plus, il y a des broyeurs du diable derrière. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour un engrenage, je vais me faire foutre. Allez, on prend. Ok. Il n'y en a pas un autre là-haut? Non, j'ai vraiment plus de heal à partir de maintenant. Charge, stop. C'est quoi ça, charge stop? Ça va charger la batterie? Ok. Alors c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin, hein, je vous avoue. Hein. Même vraiment pas. Quel mon broyeur du diable? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu ça? Cavalier de batterie. Mais il y a des trucs qui pop comme ça. Moi je dis pas que je suis contre. Hein. Près du véhicule vide. Ah déjà, putain la vache. Par contre il faut absolument que je fasse ça parce que sinon...
Ici, il y a de l'essence. Ok. Actionnez l'interrupteur de la tour pour activer le circuit 1. C'est toi ? Ça doit sûrement pas être là du coup je suppose. Ah là, ok, c'est peut-être ça. J'ai plus de vie, la voiture non plus. C'est un peu une catastrophe. Au pire on... Je reviens vite à la voiture. Non mais il y a un broyeur dans l'allée. Je fais comment pour y aller? Je peux juste pas? Mais c'est mort en fait. Comment je fais pour y aller? Mais je ne peux juste pas y aller en fait. Mais je fais comment pour y aller? Il est pile dans l'entrée. Je suis obligé de prendre des dégâts? Je crois que je vais die hein. Bon. J'ai pas grand chose, vous allez me dire, mais bon. Bon allez, vas-y, fuck it, j'y vais. Non mais bah oui, bah c'est dead en fait. Du circuit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais là. Ah, je suis pas mort. Ouais, si. Mais alors là, mais je sais même pas comment je suis censé faire. Est-ce que c'est normal? Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'était pas normal qu'il y avait des broyeurs du diable ici. Bon, écoutez. Dans tous les cas, hey, on est en mauvais état. Ouais, ouais, on va, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On va se remettre bien, tout va bien. Et là, 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 en fait, on va... Là, vous voyez, vous avez vu l'état de la voiture? Bah, vous savez quoi, on se laisse ça pour la prochaine fois. Là, la voiture, elle est dans un état pitoyable. Je vous la remets, je vous la retape d'une force... Mais qu'est-ce que... Elle drop des trucs! Elle drop des trucs! La voiture drop des trucs! C'est quand? C'est dans quelle situation? Attendez, c'est une anomalie ça! C'est la voiture qui drop des trucs! Bah, tout est pété là, c'est un truc de ouf. Hein. Allez, c'est pour ça que lui fonctionnait pas. Oh là là, en vrai ça va être cool de tout retaper. Je veux juste voir parce que c'est un peu relou. Parce que la voiture. Ah non, lorsque la voiture freine, c'est peut-être quand elle freine. Un objet tombe en fait, mais je sais pas comment faire. Tableau de bord, toutes les portières, n'importe quelle portière. Volant, n'importe quel pneu, coffre. La voiture freine, il se passe quelque chose. Mais je sais pas ce que c'est. Ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. C'est quand la voiture freine. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi l'autre exactement? Il y en a peut-être un autre ici. Non, ok. La voiture. Freine. Freine.
Se ferme. Essuie-glace. Dans sa direction. Radio, le plafonnier, le klaxon, le capot, les phares. Le fil vitesse, carburant. Tableau de bord. Voiture. S'allume, inverse la direction, se déplace rapidement, se déplace lentement, freine. Caote vers l'avant. Ben, je sais pas. Les phares. C'est ça. Je tente, hein, tant qu'à y être. Hein. Le plafonnier bascule. Non. Les essuie-glaces. Oh, c'est les essuie-glaces. Ok. Se coince. C'est pas ça. Bouge. Ah, c'est pas ça. C'est Tania. Basque. Déplace lentement. Parce que je les ai même pas vus se déplacer. Bouge, se coince, bascule. Vous ne pouvez plus faire d'hypothèse. Ok. Et je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je vais le voir? Se passe rien avec les essuie-glaces. Hein. Ben, je ne sais pas. Allez hop, bon bah écoutez, c'est pas très grave. Enfin, on a vraiment bien avancé, donc c'est super cool. Ça, en vrai ça peut se faire assez aisément. Il suffit déjà juste, il faut que je me fasse un percuteur déjà. Ça je pense que j'aurais eu le percuteur, on aurait perdu moins de temps. Il faut aussi que je me fasse je vais me le faire maintenant les kits de soins. Parce que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Ça je sais que je saurais quoi en faire. On peut se les mettre. On peut se les mettre là. Voilà. Et ça c'est coolos. Comme ça on n'aura plus trop sous ces soucis. Et la prochaine fois on va se retaper toute la voiture entièrement. Ce sera plutôt cool. Et bon, par contre je sais pas si on pourra sûrement pas se faire du plombé. On repartira en fer. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Et il faudra qu'on fasse cette quête là. Bref, bon allez, des bisous YouTube, merci de regarder cette vidéo, cette VOD, pardon. Et je te déteste. Au moins de jeu Jim, je crois savoir ce qu'ils sont. Je crois que c'était des ratons laveurs. Ils sont dans la maison, Jim, ils sont dans la maison. Un peu creepy celui-ci. Des bisous YouTube, oui, pardon, et à très vite. Ciao, ciao.